ce débat sur la construction de partie civile de l'État, il fallait s'y attendre, mais je pense qu'aujourd'hui, les choses sont closes, le débat a été clos, et la construction de partie civile de l'État ne se discute pas, parce que il ne vous a pas échappé qu'il y a eu des agents de l'État qui sont intervenus, il y a eu un organe de l'État qui est intervenu, un organe au demeurant particulièrement sensible de l'État. Il y a eu, pense-t-on, des moyens de l'État. Maintenant, en général en droit, sans vouloir vous faire un cours de savant, on fait souvent la distinction entre les infractions qui peuvent avoir été commises dans le cadre des fonctions, c'est-à-dire la faute détachable, et plutôt non détachable, et une infraction qui a été commise à l'occasion d'eux. C'est-à-dire quelqu'un qui jouit d'une position peut malheureusement l'utiliser souvent en la dévoyant. C'est tout le débat qu'il y a ici. Donc, même sur le fond de la problématique, je pense que la chicane qui a été soulevée par mes confrères est largement anticipée, parce que ce sera précisément à l'audience de pouvoir dire si ces fonctionnaires sont intervenus dans le cadre, c'est-à-dire qu'y a-t-il eu un organe d'État qui leur a donné mission de faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire tuer un homme dans des conditions atroces que nous tous nous savons. Si tel est le cas, l'État doit pouvoir être là pour l'entendre dire. Si tel n'a pas été le cas, l'État doit également être là pour pouvoir défendre cette position qui relève de son honneur, de sa dignité. Il se trouve que par ailleurs, les questions qui concernent les conséquences de cette admission devront pouvoir évidemment revenir à l'État, puisque si l'État venait à être condamné en raison de sa participation irréfutable, eh bien, il faudrait bien qu'il puisse en assumer les conséquences, toutes les conséquences financières, je pense les conséquences, voilà, oui. Et politiquement, il devrait pouvoir aussi prendre des mesures qui s'imposent à un organe qui se veut sérieux pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise plus jamais, que les moyens de l'État puissent être utilisés pour la protection du public et non pas le contraire. Donc la participation de l'État ici ne peut se discuter par personne sérieusement, sauf vraiment à vouloir faire des effets de manche et à noyer le poisson.